Bon, rebonjour tout le monde. Bon, je suis là un petit peu plus tôt que prévu. Et bien, vu que là, je viens de tout juste réussir à me rendre en chasse VIP avec le roi Carole, ce n'était qu'une formalité. Et heureusement pour moi, je n'ai pas eu des matchs trop difficiles. Et que j'ai pas rencontré non plus des personnages rapides puis petits comme Pikachu ou Pichu. Ça aurait été l'enfer avec le roi Carole. J'étais vraiment chanceux pour ça. J'ai réussi une partie changeté rapide en plus de ça. Et quelqu'un qui avait pas peur de mon roi Carole, ben il s'est fait défoncer. Et ça, c'est lors de mon avant-dernier match avant de me rendre dans le match VIP. Alors, mais avant toute chose, finissons l'ascension avec Ken avec mes moments forts. D'où que ça l'a parti, cette histoire-là, que j'ai fini par reprendre un peu confiance en moi, c'est justement grâce à ce 1 contre 1 que j'ai réussi sans perdre de charge chutée, pas peu de ça, en bas de 100%. Et j'ai fait la même chose contre un joueur d'héros un peu plus tard. Je vais vous montrer ces deux parties rapides sans chuter, mes deux premiers, dont le premier après 431 matchs en ligne avec Ken. Ouais, go, une petite glissade pour célébrer. Oh mon Dieu. Une chance que c'était pas une autodestruction, ça, parce que la partie avait fini direct là. Ça. Oh yeah, ça a passé hier, yeah, moi j'étais vraiment content que ça allait passer cette fois-ci, au bon moment. Disons qu'avec des personnages du corps à corps genre un joueur compliqué comme Ken ou Ryu, ben c'est pas facile, hein. Fait que pour moi, c'est un gros exploit d'avoir réussi à me rendre en charge VIP avec ce personnage-là. Puis après ça, je me rends peut-être une heure plus tard avec le roi Carole, une fois qu'on s'est quitté. Ça a pris 63 matchs. Il y a eu deux morts subites et deux morts subites ont été gagnées. Ce qui est très bon. Mais ça c'est souvent arrivé avant que je joue aujourd'hui avec le roi Carole. Mais je te dis, Seigneur, un boy, que j'ai été écœurant avec lui. Mais. Ce qui m'a stoppé, entre autres, c'est surtout le bourrage de coups, ça veut dire le spammage des mêmes attaques avec Zelda ou les contres, par exemple avec Palutena, ça tue carrément la game. Et malheureusement, ben, faut que j'essaie faire ça puis continuer de l'avant, puis c'est ça que j'ai fait, puis je me suis rendu rapidement en Smash VIP aujourd'hui, pour mon 31e. Bon, maintenant, qu'est-ce qui arrive avec ce joueur des héros-là? Aïe aïe! Ah, à la fin, là, ok, il a failli réussir à se rattraper. Tout juste. Presque. Presque. Il a presque fait un bon bout de chemin quand même. Bon, ben, il a quand même essayé de revenir. Mon donner a vraiment bien marché à la fin. Ok. Quand j'ai vu qu'il y avait Kamika, je ne pouvais pas approcher. J'ai décidé cette fois-ci de ne pas aller, vers la droite et pour du chemin. C'est qu'il y a ça. Oh! Au crâne, ok, bouclé. Tu sais, pour moi, c'est pas un mystère. Je me demandais pourquoi que je bloque tant les attaques spéciales, parce que vous utilisez souvent ça, parce que l'effet hasardiste, des fois, peut amener à un KO à 90%, kill confirm. Oh!
Ils vont regarder qu'est-ce que je fais. Au bon moment, paf! Ah ouais, go! Neutral, go! Oh! 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 Presque! Mais pour moi, ça t'est bien discuté, ce coup-là. Match qui a duré environ 1 minute 20. Ben voilà, c'était mes deux parties sans chuter à 1 contre 1 avec Hero, mes deux premiers. À mon 431e match. Et enfin, à mon 447e. Fait que sur ça, tout le monde, eh bien, on se rejoint pour le vrai élément déclencheur. Ben, pas le vrai, mais le deuxième élément déclencheur, mais qui a fait en sorte que je me suis rendu en Smash VIP. En Smash VIP, ok. Puis j'aurais jamais passé les arrêtés de cette façon-là. Puis en plus, deux fois de suite, de la même façon, waouh! Mais pas deux fois de suite, vu qu'il y avait eu un match en équipe entre-temps. Mais quand même. Puis à la fin, ben ça s'est fini, soldé en mort subite. Puis pas de la manière dont vous pensez, Kerim, coudon. Ça a été vraiment spécial.